se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez bien compris, pour faire le concours des 1000 abonnés. Bravo Nato, enfin. Ouais, je suis désolée, hein, franchement, j'ai mis beaucoup de temps à vous la faire. Pourquoi? Parce que j'ai très peu de temps à moi. Et que forcément, en fait, faire la création, etc., ça prend du temps. La finalisation, en fait, de tout ce que je voulais vous proposer. Alors, il y a des choses que j'ai pas pu vous faire, tout simplement par manque de temps, mais également par manque d'argent. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai eu des moments extrêmement difficiles. Forcément, ça a impacté également, en fait, mes finances. Et tout ce que je vous offre, c'est des choses que j'achète, également des choses que je crée. Mais la création, il faut également des fournitures. Et pour les fournitures, eh ben, il faut des sous-sous. Donc, voilà. Donc, je vais un petit peu vous présenter ce que j'ai mis en place pour vous. Alors, je vais un petit peu expliquer. Il y a trois lots. Ces trois lots-là, donc effectivement, il y aura trois gagnants. Un lot plus important, donc vous allez le voir. Hein. Donc, premier gagnant, deuxième gagnant, troisième gagnant. Je vais partir sur le premier lot. Donc, le premier gagnant, bah, c'est celui-là qui sera tiré en premier. Voilà. Donc, on aura le petit portefeuille comme celui-ci. Alors, pour celles qui demandent, non, je ne fais pas de vente de ces portefeuilles-là. Si vous êtes intéressé, une budgeteuse les vend. C'est Marion. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et également aller voir sur Instagram. Je pense qu'elle sera ravie, en fait, de vous le vendre. Alors, effectivement, je sais qu'elle est passée sur d'autres... d'autres formes, d'autres portefeuilles, mais on ne sait jamais si elle est toujours en possibilité de vous les faire, elle se fera un plaisir, d'accord? Donc le premier, il est comme ça, j'ai mis des petites lettres pour les petites trackers, je vais y arriver, je vais vous montrer les autres, hein. Ils ne sont pas pareils, je n'ai pas du tout mis de trackers, enfin il y a les trackers mais pas les noms, tout simplement parce que je pense que certaines d'entre vous n'ont pas les mêmes besoins, et du coup je laisse libre choix de ce que vous avez envie de mettre dessus, mais en tout cas je vous les ai quand même fait. Donc le premier est comme ça, voilà, noir, vous avez avec... Alors, donc un petit, alors, c'est un porte-clé, d'accord. Moi, j'avais prévu de le mettre en fait sur mes classeurs, hein, avec des couleurs différentes. Pour moi, c'est un peu trop gros. Du coup, je vais décider de vous en faire bénéficier. Vous avez écrit Mama dessus, donc c'est quelque chose que vous pouvez retirer si vous en avez envie. Ça peut également, ça fait un petit peu bracelet aussi, hein. Mais alors, je me vois mal mettre ça en bracelet. Après, vous en ferez ce que vous voulez, c'est pour vous. Donc, vous avez donc ce porte-clé-là de cette couleur-là. Si j'arrive à le remettre à l'intérieur, voilà. On a également donc les défis que j'avais créés il y a bien longtemps. Donc, c'est le défi Saint-Valentin qui est comme ça, le défi 5 euros qui est comme ça, le défi pleine lune. Qui est comme ceci, le défi des 10 euros. Alors là, vous allez pouvoir en mettre, hein. Le défi beauté et le défi météo. Voilà, donc vous avez ces défis là et vous avez également un petit tracker avec budget du mois. Hop, si vous avez envie de le mettre. Vous aurez également des petits trombones qui sont comme ça. Et pour le gagnant du lot 1, il aura également le défi des 12 mois qui est comme ceci. Il est en finition, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Ça sera les mêmes couleurs à peu près. Et donc voilà, vous aurez une somme à gratter tous les mois. Et vous aurez 12 enveloppes comme ceci. Donc voilà pour le lot numéro 1. Le lot numéro 2, vous avez la petite enveloppe banque, vous avez le petit portefeuille également avec les trackers qui sont comme ceci, hop,
Je le remets à l'intérieur. Si j'y arrive. Voilà. Hop, vous aurez également donc le défi des arbres de vie qui est comme ceci. Hop, un petit porte-clés, donc le même que l'autre que je viens de vous montrer, mais d'une autre couleur. Des petits trombones comme ceci. Voilà pour le lot numéro 2. Et pour le lot, le dernier lot, lot numéro 3, donc pour le troisième gagnant qui sera tiré au sort, vous avez ce petit portefeuille avec à l'intérieur également les trackers qui sont comme ceci. Hop, tac, tac, tac. Hop, voilà, je le mets ici, si j'y arrive. Ok, vous aurez donc le défi spirituel, le défi chakra, voilà, vous avez donc des petites enveloppes que j'ai créées il y a bien longtemps, donc effectivement par rapport à ce que je crée maintenant, la qualité n'est pas la même, mais je me suis dit que ça pouvait vous servir, donc des petites enveloppes virtuelles, voilà, et vous aurez également un petit tracker budget du mois, hop, et bien sûr le petit porte-clés de cette couleur là, hop, et vous aurez comme tout le monde trois je vais y arriver, petites trombones de cette couleur, voilà. Ensuite j'ai été en train de réfléchir à savoir si je mettais ces enveloppes-là. Alors, c'est des enveloppes que j'ai créées il y a bien longtemps, mais que je ne me sers pas. Je ne me suis jamais servi, c'était des essais. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, les offrir. Alors, effectivement, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, on n'est plus du tout sur le même niveau. Voilà les anciennes enveloppes d'il y a plusieurs, bien plusieurs mois. Et voilà les nouvelles enveloppes. Donc, c'est vrai que en termes de qualité, on n'est plus du tout sur la même qualité. Je me sers plus du tout du même papier. Voilà, j'ai évolué également sur mon travail. Mais pourquoi pas vous les faire, vous les offrir, d'accord? Donc, du coup, je me suis dit, non, bah tu les rajoutes pas. Tu attends donc la première ou le premier qui aura gagné et viendra m'indiquer, viendra me répondre en me donnant son adresse. Je lui donnerai également ces enveloppes là en plus dans son dans le lot. Donc ça peut être le premier lot, le deuxième et le troisième également, ça dépendra de qui répondra en premier. Voilà un petit peu pour ce jeu concours. J'espère que vous n'êtes pas déçus tout de même de ce que je vous offre. J'ai fait au mieux pour vous et également au mieux pour moi. Et je tenais réellement à vous remercier en fait d'avoir été présent, même après des moments difficiles, même par rapport au fait que je sois moins présent sur la chaîne. Vous êtes toujours là et ça, je peux pas l'oublier et je fais que vous remercier pour ça. Et d'ailleurs, vous êtes tous adorables. J'ai énormément de messages en privé qui me demandent comment je vais, comment va ma santé. On me demande même des nouvelles de mes garçons. Enfin, franchement, je vous aime. Je vous aime d'amour. Voilà, donc je reprends. Ici, c'est ce lot-ci avec les enveloppes, les 12 mois à gratter. Ici, vous aurez ce lot-là, tout simple. Et ici, vous aurez ce lot-là également. Hop, donc n'hésitez pas à répondre et à me dire si les enveloppes pourraient vous intéresser. Vous en avez une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 11 enveloppes. Donc si ça peut vous intéresser, à me l'indiquer au moment où vous me donnez votre adresse. La première qui m'aura répondu sera celle qui aura ces enveloppes-là, bien sûr. Et voilà. Donc je vais arrêter pour ce jeu concours. Je vous laisse une semaine. Histoire de répondre, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De me répondre un petit commentaire, je ne sais pas moi, quel est le meilleur Noël que vous avez passé, voilà, de me dire le meilleur Noël que j'ai passé pour ma part, hein, et quand j'avais mes quatre enfants à mes côtés, c'est le plus beau Noël que j'ai pu avoir dans ma vie.
Est-ce que vous, c'est quand vous étiez enfant? Voilà. Donc, vous me donnez une petite anecdote de votre passé et vous m'indiquez clairement que vous souhaitez quand même participer à ce jeu concours. Il y en a qui vont peut-être vouloir juste m'indiquer leur Noël, le meilleur Noël qu'ils ont passé et ne pas vouloir participer, c'est leur droit. Mais il faut me l'indiquer. Voilà. Mon Noël, je participe et mon meilleur Noël, et voilà. Tout simplement. Et puis si vous avez envie également de partager, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Plus vous êtes nombreux, meilleur c'est pour ma chaîne. Même si, vous le savez, je ne suis pas rémunérée et je ne serai pas par rapport à ma chaîne. Tout simplement parce que YouTube m'indique que je ne suis pas dans une zone rémunérable. Je ne sais pas pourquoi, je suis bien en France, mais apparemment ils ont un problème. Bon, c'est pas grave, j'allais pas en fait la manière dont j'aurais pu faire, c'était arrêter ma chaîne et en recréer une autre. Donc j'en avais pas forcément envie, je voulais pas en fait perdre tous mes abonnés. Donc c'est pas la chose la plus importante, la rémunération. Je fais avec, moi c'est un plaisir de partager avec vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et vous savez ce que vous avez à faire pour la suite. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.